Jean-Marc, je t'arrête tout de suite, là, ça va pas être possible. Au niveau du jeu de comédien, ça va, la lumière, le décor, la mise en scène, ça va. Mais alors, au niveau du texte, hein, c'est pas possible. Tu peux pas participer à un On demande qu'à en rire, hein, sur France 2, avec des vannes comme ça, Jean-Marc. C'est pas possible. Tu vas te faire lyncher par Ben Guigui, Barma et toute la bande, là. Non, là, il faut vraiment travailler le texte, hein, Jean-Marc, je t'assure, t'es pas drôle. Excusez-moi, monsieur le ministre, vous n'en auriez pas une bien bonne pour votre patron, parce qu'il doit passer à l'émission On demande qu'à en rire, et... Non, vous n'avez pas le temps. Bonne journée. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, voilà. Je vous explique, hein, parce qu'on a notre premier ministre, monsieur Jean-Marc Ayrault, qui doit passer à l'émission sur France 2, vous savez, On demande qu'à en rire. Voilà. Et bon, bah, au niveau des blagues, des vannes, c'est pas... Alors bon, comme je sais que les Japonais ont beaucoup d'humour, si éventuellement vous avez une petite vanne ou deux... Hein. Salut Barack, c'est Eric Bonheur de France, oui. Il y a notre premier ministre qui doit passer dans l'émission, On demande qu'à en rire. Tu connais, hein, je crois que tu regardes. Et t'aurais pas deux, trois bonnes vannes à lui filer, parce que là, c'est un peu la cata, il va se faire lyncher dans l'émission, tu comprends? Oui, Sylvio, alors je t'explique, tu connais notre ministre Jean-Marc Ayrault, il doit passer dans l'émission On demande qu'à en rire le soir sur France 2. Bon, le problème, c'est qu'il est pas très, très, très drôle, tu vois, il manque un peu de vanne, un peu, tu vois, un peu... Et comme toi, bon, bah, je sais que t'es à la retraite en ce moment, et en plus, t'as toujours des bonnes grosses vannes, des histoires de putes, bunga bunga, tout ça, t'es un gros déconneur. Alors je me disais que peut-être, éventuellement, hein. Bon, Jean-François, je fais appel à toi. Toi qui es quelqu'un qui a beaucoup d'humour. T'en auras pas une de petite vanne là pour héros? Hein? Je sais pas, une histoire de pain au chocolat, un truc comme ça. Non, Jean-Marc, sérieux, n'y va pas. Le mieux c'est de pas y aller, ça va être la cata.